Salut à tous, c'est Ludo. Allez, j'ai un petit peu retrouvé ma voix, ça va un petit peu mieux, je suis un peu moins malade, ça tombe bien parce que c'est bientôt le week-end qui va attaquer. Donc là, comme on le voyait sur la fin de la vidéo précédente, je m'attaque à l'encadrement de la porte qui donne sur le toit terrasse. Je vais commencer par tracer au sol l'encadrement et ses dimensions extérieures. Comme ça, j'aurai le modèle, les angles, les dimensions à respecter pour avoir la bonne largeur pour ma porte. On voit à l'arrière de l'encadrement une petite feuillure où je viendrai encastrer ma porte pour accéder au toit. Comme en bride de récup, je suis pas non plus très très riche. Je vais faire des bouts de l'encadrement avec de la pierre. Donc là, j'ai trouvé mon premier bloc que je commence à travailler pour mettre à la cote et aux angles voulus. Pour cela, j'utilise un disque à moyeu déporté. En fait, l'avantage, c'est que sous le disque, il est plat et il n'y a pas l'écrou qu'on met normalement sur les disques classiques qui viendra gêner pour se poser à plat sur la face qu'on est en train de travailler simplement. Avant de poser la première pierre, je fais un gabarit en carton. En fait, je reprends simplement le tracé que j'avais fait au sol et ça me donnera la forme des briques qui seront au-dessus. Donc il y a deux modèles, enfin vous allez voir l'idée que j'ai eue concernant le montage des briques. Mais j'aurai plus qu'à poser le gabarit sur chaque brique, un coup de crayon et je découpe selon le tracé. Ça me fera gagner beaucoup de temps.
Après avoir monté les brides sur environ 1m20, je vais commencer à coffrer l'ouverture pour couler le béton. Comme elles n'ont pas de croisement et ne touchent pas un mur, on va dire que la stabilité est quand même précaire. Donc je n'oublie pas de mettre les ferrailles avant de refermer complètement le coffrage, puis je coule tout ça.
Et hop, un coffrage de plein. Allez, il n'y a plus qu'à laisser sécher, c'est le plus facile du travail. Moi, je vais ranger le matériel et puis je vais rentrer dans la Drôme. Bon, bah écoutez les gens, je vous dis à très vite sur Rénovum.